Une petite minute, mec. T'as une réservation? Ouais, je suis avec eux. Ce club est réservé aux couples. De quoi? Pas de rencard, pas de réservation, pas d'entrée. Tu sais, t'as de super beaux yeux. BG. Ah, sale putain de prude! Coïncidence, Gabriella. Bonjour, bonjour Blitzy. Stolas, hey, t'es dispose, toi? Pourquoi faire? Je me demandais si tu voulais venir en boîte ce soir. Est-ce que... tu me demandes un rencard, Blitzy? Ouais, j'imagine que c'est ce qui se passe. Tu peux venir vers la Luxure vite fait? Je peux être prêt dans 20 minutes. Ok, fantastique, on se voit plus tard. À plus tard, Blitzy. Allez, allez, allez! Oh, Blitzy! Me voilà. Waouh, ça en fait un peu trop, tu penses pas? Eh bien, je voulais juste être un peu plus présentable. C'est notre premier rendez-vous, après tout. Ah ouais, j'imagine que oui, hein. Encore toi? Casse-toi de là! Est-ce qu'il y a un problème? Oh merde! Mes excuses, Majesté. Rentrez donc, je vous prie. Sacre bleu! Oh non, non, mais oui! Oh, Blitz! Quel endroit romantique! Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce lieu pour m'inviter? Oh, bah tu sais, hein, j'ai pensé qu'on s'amuserait bien là. Bingo! Oh, Blitz! Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde rien du tout, ça te va? Je peux vous monter? Je veux dire, vous montrer le menu des boissons? Oui, peut-être une bouteille de vin? Préfères-tu du blanc ou du rouge, Blitz? Ou bien du champagne? Ouais, si tu veux. Prenons les trois, on se lâche. Donc, Blitz, quoi de nouveau? On vient de tuer un tas de gros bûcherons. Intrigant! Comment les as-tu tués? Comment? Ils étaient beaucoup. Donc avec des balles. Bien sûr, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé de sortir avec moi après tout ce temps? Mesdames et messieurs, je vois de charmants minois aux alentours ce soir. Bienvenue, bienvenue à Oasis, l'endroit numéro 1 du cercle de la Luxure pour toutes sortes de fantaisies. Faites-vous beau pour tous les amoureux et les amoureuses. Le sanctuaire d'Asmodée lui-même. Allez, donnez-lui du love. Ai-je bien entendu Asmodée? Oh putain, c'est pas vrai. Pas lui. Je suis le seul et l'unique fils à Rolly. Il y en a qui reconnaîtront cette belle bouille de mes nombreuses répliques robots à travers les cercles de l'enfer. Fabriquée avec amour par Asmodée lui-même et réglée pour votre plaisir ce soir. Nous avons de grands invités pour vous ce soir. Véros et Kameidei, Rémotique et les Chuteurs. Mais pendant que tout le monde s'échauffe bien... j'ai une petite histoire pour vous tous. Il y en a ici qui a entendu parler du merdier sans nom qui s'est passé à Lululand. Oh, je vois bien. Waouh.
Et je vais vous dire un truc, j'aimerais tellement pouvoir serrer la main du bâtard qui a décidé de brûler ce parc à la con et ensuite lui coller un procès au cul parce que j'aimerais bien des dédommagements de ces jours. Ce robot moi a fait plus de fric en amusant les gosses que ce qu'on vous vend pour vous amuser, si vous voyez de quoi je parle. Oh, je sais de quoi tu parles. J'en ai quatre. Ok, gardez ce mec très loin de moi. Bon, sans attendre plus longtemps, notre premier invité est un petit nouveau. Nous venons tout droit du cercle de la colère. Fais du bruit pour Moxie. Sans autre nom ou quelque chose comme ça. Bonjour tout le monde. Oh, merci de m'avoir accueilli. C'est un honneur de jouer. Tais-toi et chante, putain! Cette chanson est pour ma magnifique femme. Une surprise pour notre premier anniversaire de mariage. Je t'aime, Millie. Que je t'aime. Autant que le feu qui ronge le soufre, autant que les diables vers Belzébuth, bien plus qu'un pèlerin envers son but, tu fais chanter mon âme. Oui, tu me réjouis dans ce monde infâme, notre histoire ne sera jamais un drame. Oh oui, c'est bien toi que mon cœur acclame par enchantement. L'amour est un voyage jusqu'au soleil levant. J'espère que nous ne serons jamais en fragments. Que je t'aime, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu oses venir ici lui faire la cour? Osy n'est pas l'endroit pour les petites chansons d'amour. Où te crois-tu donc, petite créature? Votre démon, Asmodée, la figure de la luxure. Fais bonne figure. Montre-moi ton luxure. Le plaisir le plus pur se trouve sous la ceinture, dans le domaine d'Asmodée. Petit diable, tu viens donc ici roucouler, chanter ton amour sur cette scène illuminée. Eh bien, on a un dicton dans ce lieu réputé. Seules les petites salopes chantent sur ce truc à chier. Pense pouvoir traîner dans ces quartiers. Rentre donc chez toi avant de te faire écraser. Si on chante sur nos désirs secrets. La dépravation, la sauvagerie et les bourses enflammées. Alors fais bonne figure. Montre-moi ta luxure. Sous toutes ces coutures, ne joue pas en gros dur dans le domaine d'Asmodée. Montre-moi ce que tu sais faire pour bien pouvoir t'envoyer en l'air. Fais-nous une explicite longue description. Affaire mes nichons et quand t'en finis ces chansons. Je veux te... Ouais, tu veux quoi, sodomie, hurophilie, bondage? Te faire l'amour tendre. Oh, pourri la vibe. Regardez-moi ce tocard. Cette espèce d'imbécile qui laisse sa femme au placard. Hey oh, je mate ces deux-là depuis un sacré bout de temps. Quoi, Blitz? Et pour être honnête, ils arrivent à rendre le missionnaire relativement excitant. Et bien Blitzo qui monte le bout de son nez. Hey tout le monde, regardez-moi ce raté. T'as vraiment du culot de vouloir commenter. Aux dernières nouvelles, tes romans sont à merdier. Blitzo, je me le tape. Oh, Véronica, tu es là. Je me masturbais le suce. Mais quand j'allais prendre mon pied, il n'a pas réciproqué. Un vrai égoïste au lit, et tout autant dans sa vie, absolument pathétique. Qui était cette table? Est-ce bien qui je crois? Stolz, quelle surprise! Il couche avec toi? Wow, mon ami, tu es tombé bien bas. Tu avais une femme magnifique et un enfant rien que pour toi. J'espère que tu n'as rien délaissé pour pouvoir aller t'en canailler. Avec cette oracle, ainsi fonctionne la luxure. Subir toute une coupure, défigurer ta coiffure, brandir ton Excalibur, repeindre en blanc tous les murs. Dans le domaine d'Asmodée.
tu voulais me chanter quelque chose, Mox. Oui, c'est vrai. Je nous aime tel que nous le sommes. Pas besoin de tout et de ta délicatesse. Tu restes toujours avec moi, peu importe mes maladresses. Je ne prendrai jamais pour acquis. Tu mérites que le meilleur. Et si tu m'offres la même chose, on n'aura jamais peur. Car je t'aime. Car je t'aime. C'est quoi? C'était une erreur. Ok, juste... On s'en va. Oh, oui, bien sûr. Oh, mais c'est pas trop mignon. Ça me dégoûte. Foutez-moi le camp. Hello, c'est Ravenika. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts, et je tenais à remercier tous les comédiens qui ont participé à ce doublage. Donc, Orma Godon pour Stolas, Willy Williams pour Blitzo, Hatsu pour Millie, et bien évidemment Dusty, aka Hasbin Channel FR, pour la voix de Moxie, et aussi pour m'avoir dirigé dans ce magnifique logiciel qui est BandLab. Et... Yann Cléry pour avoir prêté sa voix à Asmodée. Yann Cléry, c'est un chanteur de jazz pro, entre jazz et pop. Il va sortir bientôt son album, dont le nom m'échappe. Mais oui, restez à l'affût si vous avez bien aimé sa voix. Et aussi, allez découvrir ses chansons sur sa chaîne. Ma préférée en ce moment, c'est Quancho. Elle est très... il est très doué, il est très doué. Et je le remercie de tout cœur d'avoir bien voulu participer à ce projet. Je remercie aussi A Channel Nobody Watches qui fait beaucoup d'instru sur Eluvaboss et qui du coup m'a sauvé la mise sur ça. Ça nous a permis d'avoir une instru beaucoup plus claire. Et je remercie évidemment mes bons amis Gaeden et Gamache pour avoir traduit cette chanson. Aussi, seulement la chanson sortira bientôt sur ma chaîne. Ce sera plus ou moins que l'audio, il n'y aura pas la vidéo. Mais restez à l'affût pour ça si vous voulez la télécharger pour une raison que j'ignore. Elle n'aura pas de sound effects et ce sera juste nos belles voix en train de chanter magnifiquement bien. Je vous remercie également vous hein, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Il y a d'autres projets qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que je vais prendre une petite pause quand même, parce que ces deux projets-là m'ont demandé beaucoup de travail. Voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Salut!